Salut tout le monde, c'est Calito derrière là-bas. Oui. Et Toche ici. Ben vous voyez, on est sur l'eau, on n'est pas malheureux. Ça y est, le froid est là, c'est bien installé. Ça fait bien une semaine maintenant qu'il caille. Voilà, on va aller sur les berges battues par le vent depuis une semaine ou deux pour essayer de faire quelques brochets. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gros poissons. On aimerait bien en faire au moins un aujourd'hui. On est au-dessus d'une zone d'herbier là, très vaste. On a déjà cartographié le coin sur l'éco-sondeur. Donc il n'y a plus qu'à. Il est temps de voir si monsieur Esox Lucius est actif. J'ai commencé en casting avec du shatter. Combien il y en a de fond là? On a 2,50 m. Allez, j'essaye un petit shatter assez unique puisqu'il est aux couleurs de Scarna Fishing. C'est un cadeau de notre ami Guillaume de chez PLP. Voilà, blanc et bleu. J'espère lui faire honneur à ce petit leurre. Et comme on est sur du brochet, je ne vais pas laisser ce petit shatter tout seul. Je vais lui mettre ce qu'on appelle un trailer, c'est-à-dire un leurre souple derrière. Un bon fat boy, je ne sais pas où ils sont. Tac. Voilà, une belle bouchée. Ouh, j'ai raté un truc. Ah, mais c'était tout petit, hein. C'était même pas une perche. Ah ouais. Ah. Essaye de faire le lancer, là. Tu vises les canoës jaunes là, en face de moi. Parce que si c'est des grosses perches. Oh, poisson. Ah, tu vois. Putain. Ah, c'est énorme. Merci Canito. Cadeau celui-là, hein. Ah, celui-là c'est cadeau. Ah, celui-là il est cadeau celui-là. Bon, c'est pas gros, hein. C'est un petit bike, je pense. Ouais, mais bon, c'est cadeau. C'est une belle perche. Fais gaffe quand même, télépisode. Ouais, c'est une belle perche. Ah, celui-là. Yes. Ah là. Alors. Merci. Ça fait plaisir ça. C'était cool. Regarde, décro. Voilà, sur le shatter PLP Coloris Scarna Fishing. On vous en fera gagner très bientôt sur la chaîne. On en a deux à vous faire gagner, donc ouais. Ça va arriver sur Insta. Et on va vous montrer cette petite beauté, cette belle beauté. Elle est pleine d'entrain. Oh, regardez cette plaquette, elle est jolie, hein. Ouais, une belle perche. Quand tu dois faire ces 30, 35, je pense, c'est facile. Allez, ça, si, c'est bon. Donc voilà, comme je disais, on était parti pour une session brochée, forcément. Ah, une belle perche, ça fait toujours plaisir. Ouais. Allez, on la relâche. Bon, mais merci pour le plan. Hein. Ça me fait, hein. On me prêtait pour un rendu. Hein. Ouais, c'est à moi de te filer un plan, alors je sais pas comment je vais faire. Faut pas avoir peur, hein, c'est normal. Ouais, le mec. Ouais. Oh, poisson! Oh! Sous le bateau! Il est gros, tiens! Il est énorme! Pouah! Il est énorme! C'est un monstre! Wouh! Putain! Allez, j'arrive sur leur monstre! Je vais. Oh oui! Oh oui! Oh, oh, oh. C'est le chaos, les amis! C'est le chaos! Attends, je vais le décrocher. Ouais, il est con. Voilà les amis là. Il est énorme. Il est énorme. Ah, je suis choqué. Je pense que. Ah, ça tremble, hein. Je tremble. Monstre. Monstre. Yeah, il est plein, regarde ça. Il est plein. Ah, il est épais. Hein. Il est épais. Wouah! Voilà!
Tu l'as? Tu y es? Ouh, 115. Alors là, 115, mon record. Je peux pas avoir un petit. Il est trop gros. Allez, tu retournes à l'eau, ma belle. Regardez ce poisson majestueux, quoi. C'est un cadeau de la nature, là. Ouais. On va y aller, on va y aller. On prend ses esprits. T'es prêt? Ça va partir. Ouais. Yes, ça c'est du bon. Un bon pouce rouge. Du bon pouce rouge. Je suis au paradis. Je suis au paradis, 115, mon record. Ça c'est fait. Ah. Yes. Regardez, ça c'est un temps parfait à brocher. Il y a des vagues, il y a du ciel voilé. On est dans une baie qui est battue par le vent depuis plusieurs jours. Je pense qu'on avait toutes les clés pour faire un poisson comme ça, j'espère. Hein. On est au début de la session, c'est 11h10. On arrive à 10h. Ça fait une heure qu'on pêche. C'est parfait. On y va. Celui-là, il va rentrer au Panthéon dès l'heure. Le Guppy, là, celui-là. Je vais monter les triples VMC, là, Black Nickel. Ça tiendra beaucoup mieux que les triples d'origine. Vas-y, tu l'as fait, il va revenir. Oh, c'était une telle boîte. Ah ben là, il est bien éclaté, ouais. Ouais. Poisson. Ça y est. Allez, ne le perds pas, celui-là. C'est joli. Ça vient, en tout cas. Mais ça a pas l'air petit, hein. C'est vrai. Non, ça a pas l'air allez, petit. Allez, 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 allez. Ah, ça a pas l'air petit, ça a l'air comment, alors? Non, ça va. C'est qu'il était dans les herbiers. Ça, il m'a fait flipper, quoi. Ah, il est joli, quand même. Oui. Ah, je l'ai validé, quand même. Ah, ça y est. Sur le Big Fat Boy Proto, quoi. Le Big Fat Boy Proto. Baptiste Canito. Yes. You. Et là. On avait vraiment une pause sur les touches là, les brochets c'est comme ça, hein. C'est phase d'activité, éteint, phase d'activité, c'est jour, nuit, tu vois. Et là, ben, ça y est, ça redéclenche un peu. Yes. Impec, pleine forme. Nickel, pas capot. C'est pas fini. C'est pas fini, oulala, c'est non, c'est loin d'être fini, j'espère. Poisson. Oui. C'est bon. Ouais, c'est joli. Wouhouhouhou. Allez. Eh oui, mais attends, il faut que je ramène. Prêt. Ça c'est bon. Allah. Yes. Ça y est, on a perdu Canito. Elle m'a fait une vieille touche à l'envers en plus là. Elle est même presque même pas senti la canne. Voilà. Beau poisson ça. Ah ouais, si. Ah ouais. De faire c'est. Facile 80, je pense. Hein. Hop, décroché. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux? Mais que demande le peuple? Ouais. 85. Peut-être que tu veux me manger les doigts? Oh, les dents, les chicots qu'il a lui aussi. Magnifique. On n'avait pas beaucoup sorti la toise hein, cette année, mais... Non, c'est clair. On est sorti deux fois en une journée. Ouais. Garde-la pas très loin quand même, on sait jamais. Bon, il fait pas 5 pièces, hein. Ah, là, tu peux t'accrocher, là. Je vais monter, moi, un espèce de gros grub, là, le haut-dessus, là, de chez Rapala.
Seul souci, c'est qu'il coule pas beaucoup, ce leurre. Pour le faire couler, je vais juste mettre un plan de drop shot là, de 10 grammes sur l'anneau brisé, devant. Voilà. Comme ça, ça va couler un peu plus vite, ça va rester équilibré et ça va nager tout aussi bien. Ça, c'est testé et validé il y a peu de temps avec Alban Choigné sur les lacs Landais. Et ça a apporté ses fruits, donc il n'y a pas de raison qu'ici ça ne marche pas. Allez, on va essayer ça. Ah oui, c'est bien plus lourd aussi. Du coup, ça va se jeter un peu plus loin. Oh, poisson! Aïe, viens. Non, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas ouf, mais... Oh, il a coffré. Oh, mon dieu, interdit moins de 18. Yes. Trop bien, c'est sur le nouveau poste. Petit paille coulé. Hop là, il s'est échappé. Le vent est tombé, comme vous voyez sans doute, le ciel bleu est là. L'été revient. On pêche exactement pareil, on pêche avec les mêmes leurres, de la même manière, et on n'a plus de touche du tout. On avait un concours de circonstances ce matin qui faisait que qu'on faisait du poisson. C'est pas tous les jours comme ça, c'est pas toujours la fête, non. Malheureusement. C'est bien parce que c'est rare et il faut savoir en profiter de ces moments-là. Ah, il y a du vif là. Il y a du vif dessous, ouais. Putain, si on en fait pas un là, c'est que vraiment, ils sont sur off total. Oh, oh, raté. Oh, bah. Poisson? Bah non. Oh merde. Oh, comment j'ai pas... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah si, poisson. Oh, silure. Non, c'est pas un silure. Eh? Ah si, peut-être. Si, c'est un silure. Putain, mais j'étais là, mais en fait, il venait sur moi. Ce... Attends, ça se trouve, c'est un gros pike, fais gaffe quand même. En tout cas, c'est... Non, ça a l'air assez lourd. Ouais, c'est silure, je pense. Vu les coups que t'as pris d'entrée, là. Mais ouais, c'est ce qui m'a semblé aussi, ouais. Ouais, j'ai fait. Il est pas mal. Ouais, il a l'air pas mal. Allez, on est parti. Là même tu devrais ouais, tirer un peu plus quand même. Non, c'est bon. Parce que là il va se caler au fond, mon pauvre, tu dois remonter avec ta petite canne là. Ouais, il est pas gros. J'ai deviné assez bas. Il avait pas l'air gros. Il a l'air de foncier en fait. Mais par contre, je crois qu'on est sûr que. Par contre, ouais, c'est quand même, il me met un peu là. Ouais, il me met un peu la misère. Hop, si c'est celle-ci. Ouais, on met là. Des souvenirs de Saumur, tiens. Pour ceux qui ont vu les épisodes. Tu l'as repos, non? Ah non? Ah si, peut-être. Hein. Non, il est pas repos. Braco! Non, il est pas repos, mais je sais. Je rigole. Ah, c'est vrai qu'il est monté bizarre, mais. Ah ouais. Tiens, du mucus! Il l'a mangé, le fat boy! Ah là, ouais. Miam miam. Très appétissant. Voilà. Et voilà. Gagné. Ben voilà. Bon petit fight. Ah, nickel. Pas un gros leurre, hein, mais ça... Ouais. En même temps, il y a du vif de petite taille sur la zone. Allez, repart, va. Ah, ben il fait plaisir. Bah ouais, carrément. Quelle journée, hein. Vous voyez, ça a complètement changé au niveau du temps, hein. C'est calme, c'est le ciel bleu. Mais heureusement que nos amis les glanes sont aussi là quand les conditions sont devenues compliquées. Il a fallu tomber vraiment en taille, petit leurre souple, en gratte, et on fait quand même quelques poissons, donc ça fait vraiment plaisir.
Et voilà, fin de journée, magnifique session ici. Sacrée session. Sur notre lac préféré, notre lac chouchou. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent qu'on pêche souvent ici. Et c'est pas parce qu'on est souvent ici qu'on fait les sessions aussi jolies que celles d'aujourd'hui. Ah non. Non, ça c'est clair. Des poissons comme on en a vu aujourd'hui. Ouais, on en fait pas tous les jours. On savait qu'il y avait une carte à jouer sur la météo ce matin. Ouais. C'est pour ça qu'on est venu. Beaucoup de vent, un temps couvert, sans pluie. Bref, des conditions idéales pour pêcher le brochet. Voilà, du vent constant depuis 4 ou 5 jours. Voilà. Ça aussi, ça y fait. On va rentrer les images plein la tête. Moi, je suis complètement ravi parce que c'est, ça y est, c'est mon nouveau record. Enfin, un très très beau brochet en France. Ça fait longtemps que j'attendais celui-là. Voilà, 115, c'est, c'est énorme. Fabuleux. C'est le plus gros, ouais. Le plus gros pour l'instant. Il était pas maigre, en plus. Non, hein. Non, il avait bien mangé. Sacrée tête. Il était vraiment, une tête monstrueuse. Très, très peut-être pour nous féliciter, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ouais. Déjà, ça serait vachement bien. Surtout qu'il a perdu le sien sur la bataille. Alors, voilà, j'ai un pouce. Alors, j'ai eu un pouce rouge à un moment donné, puis maintenant j'ai un pouce vert. Un pouce vert. Toutes les couleurs. Mais le pouce bleu, c'est pour vous. Ensuite, ben, l'abonnement, si jamais vous regardez nos vidéos régulièrement, que vous aimez bien, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Pour ça, vous faites un compte sur YouTube, tout simplement, puis vous vous abonnez, et puis vous cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand une petite vidéo sort. Et puis voilà, si vous avez des trucs à dire, vous le dites dans les commentaires. Nous, on vous dit à très 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 bientôt, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver après, avec d'autres très gros poissons. On les a déjà fait, on garde le secret. Vous saurez bientôt sur la chaîne. À bientôt. Salut. Ciao.